Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'AISFAR pour ceux qui nous rejoignent ou pour ceux qui ont continué depuis ce matin ce beau congrès en visio, en direct pour l'AISFAR. Et donc, j'ai un immense plaisir de modérer cette deuxième session de pédiatrique qui va s'intéresser enfin aux recommandations pour les pratiques professionnelles concernant l'anesthésie pédiatrique. Donc, bienvenue dans ce studio et j'ai vraiment l'honneur de vous présenter en direct avec trois experts qui ont participé à l'élaboration de ces RPP, professeur Isabelle Constant, professeur Claude Écoffé et professeur Gilles Orliaguet. Alors, avant de leur passer la parole, donc, bien sûr, pour rappel, vous pouvez poser les questions, il faut que cette session soit dynamique. Les experts sont là pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à poser des différentes questions sur le chat et on y répondra avec grand plaisir. Alors tout d'abord, trois petites diapos d'introduction pour vraiment préciser le contexte de ces RPP concernant les différentes structures qui pratiquent l'anesthésie pédiatrique. Donc je vais vous passer trois petits diapos. Ensuite, chaque expert va vous présenter certaines questions qui concernent les différents champs et ce qui va différencier un petit peu des autres sessions ISFAR, c'est que toutes les questions seront posées à la fin, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont probablement venir au fur et à mesure de la présentation. Alors, du coup, le titre Recommandations pour la pratique professionnelle, organisation structurelle, matérielle et fonctionnelle des centres effectuant l'anesthésie pédiatrique. Donc, pour info, c'était un travail en collaboration SPHAR-ADARPEF avec des coordonnateurs, des experts qui en fait représentaient une activité de l'anesthésie pédiatrique, c'est-à-dire en CHU, en CAG, en libéral, avec une coordination par le comité de référentiel clinique qui nous, on va dire, chapeautait sur le plan méthodologique et élaboration. La méthodologie, alors c'était bien sûr la méthodologie GRAD, basée sur la littérature scientifique depuis entre 10 et 20 ans, avec une population particulière, puisque c'est donc le format PICO. Il fallait déterminer, définir une population pédiatrique, donc c'est pour l'âge inférieur à 18 ans, avec des sous-populations que vous connaissez bien, la prématurité, naissance avant 37 semaines d'aménorrhée, la période néonatale et les nourrissons 1 à 3 ans, 3 à 10 ans et plus de 10 ans. Vous savez que pour toute recommandation, il y a des objectifs, des outcomes qu'on essaye le plus fort possible. Et pour ces RPP, on va dire que les principaux objectifs étaient la sécurité et la qualité de notre prise en charge, avec, si possible, aussi d'autres objectifs comme la morbidité et la mortalité. Une info sur la définition, je vous rappelle que les RPP, donc recommandations pour les pratiques professionnelles, sont différents des RFE et donc vous verrez tout au long de la présentation que ce sont des avis d'experts et la formulation de la réponse à certaines questions, c'est les experts suggèrent de faire ou de ne pas faire. Donc, une information aussi sur justement ces populations pédiatriques. On a décidé de définir que pour les plus de 10 ans, la prise en charge peut être assimilée à celle de l'adulte, en bien sûr tenant compte des spécificités psychologiques et émotionnelles de cette population, on va dire, des grands enfants. Et donc la SPHAR, bien sûr, incite tous les praticiens à se conformer à ces RPP, mais attention, bien sûr, chaque praticien doit exercer son propre jugement et c'est le médecin qui est responsable de sa prise en charge de ses enfants. Donc, on a défini quatre champs. Champ 1 sur les structures et logistique. Champ 2 sur équipement et matériel. Champ 3 sur les compétences, formation initiale et formation continue. Et champ 4 sur l'organisation du personnel et fonctionnel des centres qui pratiquent l'anesthésie pédiatrique. Donc, on va vous présenter différents champs et je laisse tout de suite la parole à Claude Écoffé qui va vous parler du champ 1 et du champ 4. Merci et bonjour à tous. Donc effectivement, on va aborder le premier champ qui concerne les particularités des structures et de la logistique pour pratiquer l'anesthésie pédiatrique. Une première question va concerner la salle d'intervention pour la réalisation de l'anesthésie d'enfants. Et vous voyez que les experts suggèrent de regrouper tous les enfants qui vont être anesthésiés dans une salle dans laquelle sera présent le matériel adapté au poids et à l'âge des enfants afin d'assurer la sécurité des soins. Deuxième point qui concerne cette structure, a également un point qui concerne le post-opératoire et en particulier la salle de réveil. La salle de réveil
doit avoir un secteur pédiatrique où tout du moins il faut vraiment regrouper les enfants dans une partie du réveil dans lequel, là, comme au bloc opératoire, le matériel et le personnel ayant la connaissance de l'enfant sera présent pour accompagner la sécurité du réveil de ces enfants. On sort de la salle de réveil, on arrive en milieu d'hospitalisation post-opératoire. Là également, la question concerne l'hospitalisation des enfants qui doivent se faire dans un secteur dédié à la pédiatrie, soit en hospitalisation conventionnelle ou en ambulatoire, également en soins critiques. Mais donc, du coup, la qualité et la continuité de soins ne peut se faire que dans des unités pédiatriques, en sachant que le nouveau décret sur les autorisations de chirurgie qui est sorti le 20 décembre a rappelé également cette nécessité d'avoir des enfants hospitalisés en milieu pédiatrique chirurgical. Ça peut être également en milieu pédiatrique médical, il peut y avoir des conventions avec ces secteurs-là. L'essentiel derrière tout ça, c'est d'avoir du personnel soignant habitué aux enfants. Et puis, on revient, alors c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais donc les experts avaient travaillé de cette manière-là. La consultation d'anesthésie pour les enfants doit également, si possible, se faire dans un lieu dédié, adapté à l'enfant, pour essayer de diminuer son anxiété, avoir effectivement des jeux pour pouvoir occuper les enfants pendant l'attente de la consultation d'anesthésie. Là également, donc, une spécificité pédiatrique. On va maintenant revenir sur les différentes structures. Quel type de structure utiliser? Alors, on n'a pas innové du tout. On a repris le texte sur le SROSS de troisième génération de 2004, qui avait défini trois centres d'hospitalisation et de prise en charge des enfants. Le premier, le centre de proximité, qui est un centre qui va faire du programmé des urgences au-delà de 3 ans, sans aucune particularité, à part les éléments que j'ai signalés précédemment sur le regroupement dans une salle d'opération, d'avoir un espace en salle de réveil dédié aux enfants, mais néanmoins, tout ce qui est programmé en urgence au-delà de 3 ans. L'ambulatoire peut se faire également entre 1 et 3 ans pour des actes de chirurgie plus simples. Et puis, on peut également avoir des urgences simples à partir de 1 an. Le deuxième point important, c'est qu'on a dit une salle d'opération où on va regrouper les activités d'anesthésie pour les enfants, le matériel, mais il faut également avoir, si possible, un anesthésiste qui a une pratique régulière, ce qui est hautement souhaitable pour la prise en charge des enfants. Alors derrière cette notion de pratique régulière, on peut considérer qu'une demi-journée par semaine correspond à une activité pédiatrique régulière. Deuxième point important, c'est les centres spécialisés. Les centres spécialisés, eux, ils prennent en charge tous les âges, en particulier très souvent les centres spécialisés, que ce soit des centres hospitaliers publics ou des centres hospitaliers privés qui font de la pédiatrie de manière spécialisée. Il y a souvent une réanimation néonatale dans ces centres et donc ça explique qu'on peut prendre déjà des enfants d'âge relativement petit. Là également, il faut une équipe de chirurgiens pédiatres, mais surtout une équipe d'anesthésistes réanimateurs qui a une expérience en pédiatrie pour prendre en charge tous les enfants et avoir assuré une continuité des soins. Le troisième élément, on va passer plus rapidement, c'est les centres spécialisés à vocation régionale qui vont être importants, on va le voir un peu plus tard, car ils vont être, entre guillemets, les têtes de réseau du parcours et des soins de la filière de chirurgie pédiatrique. Donc, ces centres-là, par vocation, il y a une réanimation pédiatrique, ils prennent en charge tous les enfants, quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies. Et donc, effectivement, il y a bien une filière, par ailleurs, individualisée pour les chirurgiens de chirurgie viscérale et de chirurgie orthopédique. Et bien sûr, une garde sur place d'un anesthésiste réanimateur à compétences pédiatriques. Pour faire le lien entre ces différents centres, il est clair que là, la question était, est-ce qu'il faut travailler en réseau? La réponse est bien sûr oui. Il est important de s'organiser un réseau. D'une part, les centres de proximité et les centres spécialisés s'organisent en réseau avec un centre spécialisé à vocation régionale pour
optimiser et la prise en charge des enfants. Et du coup, que ce soit dans le cadre de la chirurgie programmée ou la chirurgie non programmée en urgence. Il est indispensable de mettre en place une convention entre ces établissements qui permet, dans cette charte de fonctionnement, de savoir quels sont les enfants qui vont être pris en charge dans chaque structure et quand il y a des transferts, en particulier pour les cas les plus complexes, dans quelles conditions vont se faire ces transferts et par quels moyens on va prévoir ces transferts d'un établissement à l'autre, en particulier de proximité vers un centre spécialisé ou vers un centre spécialisé régional. Et le dernier point important, c'est qu'on a également suggéré dans ces recommandations que certains enfants qui sont plus à risque, en particulier les nouveau-nés à terme de moins de 6 semaines, l'ancien prématuré de moins de 60 semaines d'âge post-conceptionnel, ainsi que les enfants qui sont classés ASA 3 à 5, population à risque majoré de complications périopératoires, qu'elles soient cardio-respiratoires, doivent être pris en charge dans des centres spécialisés ou des centres spécialisés à vocation régionale. Donc typiquement, ces enfants-là, vous voyez, ne doivent pas être pris en charge dans les centres de proximité. Il y a quand même eu une petite ouverture, en particulier certains centres de proximité peuvent prendre en charge des patients ASA 3 lorsque on est dans le cadre d'un réseau de soins contractualisé avec un établissement spécialisé. Et donc là, c'est après accord, je pense, avec l'ARS qui est chargé normalement de mettre en place le SROS et donc les différents niveaux des établissements. Dans cette discussion se posera le problème de savoir quel est l'âge minimal pour prendre en charge des enfants dans des centres de proximité dans le cadre d'un réseau, en particulier pour les enfants ASA 3. Merci Claude.